Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 meilleurs clubs africains de l'histoire. Donc le classement est celui de la FIFA que j'ai repris. Donc, à la différence d'eux, c'est que moi, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de chaque club avec les informations que j'ai pu trouver. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec la place de votre club dans le classement, eh bien c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu les résultats suffisants pour être dans les meilleures places du classement de la FIFA. À la cinquième position, on retrouve donc l'Espérance de Tunis, un club tunisien. Donc ce club a été fondé et plutôt créé par Eddy Khaled et Mohamed Zohawi. Donc ils ont eu l'idée de créer ce club-là, selon la légende, dans un café qui s'appelait l'Espérance, justement dans le quartier de Babswika. Et c'est grâce à Louis Montassier, qui a été le premier fondateur, le premier président, pardon, du club de l'Espérance de Tunis, et bien que cette équipe a vu le jour. D'un point de vue du palmarès, il possède 28 championnats de Tunisie, c'est assez phénoménal. 15 coupes de Tunisie aussi, et 3 ligues des champions africaines. Donc il n'en avait qu'une seule au moment où le classement s'est arrêté, donc en 2000, pour le 20e siècle. Mais on a remporté 2 au cours des dernières années, donc une je crois en 2011 et en 2018. Ce qui fait vraiment de l'Espérance de Tunis un des plus gros clubs de l'histoire d'Afrique. Donc à la quatrième position, on retrouve le Canon de Yaoundé qui a été fondé le 11 novembre 1930, et la date n'est pas choisie au hasard. C'était pour rendre hommage à la victoire et à l'armistice de la France. C'est grâce au gouverneur français Théodore Paul Marchand que le club a été fondé. Et d'ailleurs, petite anecdote, hein, petite légende du club concernant le nom du Canon de Yaoundé. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. L'histoire raconte que c'est le patriarche du quartier de Mvogembi, hein, pardonnez-moi la prononciation, mon camerounais est un petit peu rouillé. Donc, qui s'appelait Mvogo Melingi, qui a posé cette question assez importante, hein, quand même. Quel est le nom du fameux fusil qui a mis en déroute l'armée allemande, concrètement, pour faire court? Donc, les gens qui étaient présents lui ont dit, c'est le canon. Et le nom était trouvé, les canons de Yaoundé. Toutefois, le club fait encore partie des colonies françaises d'Afrique, et c'est seulement en 1960 que le championnat du Cameroun est créé. Manque de chance pour eux, et eh bien la domination régionale qu'ils avaient en 1930 n'a pas pu durer 30 ans, et c'est un autre club qui a pris la relève. Mais les Canons de Yaoundé ne se sont pas laissés abattre et ont remporté 3 Ligues des champions africaines en 1971, 1978 et 1980, ce qui lui a permis d'engranger suffisamment de points pour finir quatrième de ce classement, hein, puisqu'une victoire en Ligue des champions rapporte 5 points. Aussi 9 championnats du Cameroun et une dizaine de coupes pareilles du Cameroun. Donc le Canon de Yaoundé est un grand club local et fait partie du coup des meilleurs clubs africains de l'histoire. À la troisième position, on retrouve l'Asante Kotoko, donc un club fondé en 1926 à l'origine par Kwasi Kuma, mais le club va changer de nom et ne sera créé officiellement qu'en 1935. Donc le club s'appelle comme ça puisque ce nom-là, ce mot-là, désigne le porc-épic dans la langue du Ghana. Et le porc-épic qui est aussi le symbole du coup du pays et de la région qu'il représente. À son actif, ils ont remporté 2 Ligues des champions africaines en 1970 et en 1983 et 5 finales perdues. Donc c'est vraiment pas de bol, on dirait un petit peu la Juve. Mais c'est aussi 24 championnats du Ghana, ce qui fait vraiment de ce club-là eh bien, le plus gros du pays. Et seulement troisième, hein, vous verrez qu'il y a deux clubs vraiment bien plus forts qui se partagent le gâteau et les meilleures places de ce classement. La deuxième position, on retrouve un club égyptien, il s'agit d'Al-Zamalek, donc créé en 1911, mais le nom d'Al-Zamalek lui viendra seulement en 1952 puisque c'est un quartier huppé du Caire. Donc à l'origine, eh bien, ce club était le seul qui acceptait puisque Al-Ahli, donc leur rival de toujours, refusait les étrangers. Donc celui-ci était mixte, il a fait un petit peu comme l'Inter qui acceptait les joueurs non italiens, là ils acceptaient les joueurs non égyptiens, et donc ce club se bat depuis toujours hein, contre Al-Ahli pour devenir le meilleur club africain de l'histoire. Leur actif au moment où le classement a été arrêté, il comptait 4 Ligues des champions africaines, ce qui est bien moins que le club d'Al-Ahli. Mais on a remporté une dernière en 2002. Donc ce club vraiment représente un petit peu l'opposition, donc à l'époque, hein, du moins représentait l'opposition au pouvoir qui était présent en Égypte, tandis que le club d'Al-Ahli était tout le contraire. La première position, on retrouve, comme je vous l'ai dit, le club d'Al-Ahli. Donc cette fois-ci, un club qui était extrêmement nationaliste, puisque Al-Ahli signifie eh bien, la nation dans la langue égyptienne. Donc ce club représente vraiment l'Égypte, hein, d'un point de vue général, et à peu près 90% des gens en Égypte qui sont interrogés eh bien, se déclarent supporters de ce club-là. Donc ce club
exerce une pression qui est aussi politique, puisque lorsqu'il y a eu les révolutions arabes en Égypte, eh bien, les supporters de ce club-là étaient vraiment en première ligne et se battaient pour leur pays. D'un point de vue international, ce club a remporté quand même 8 fois la Ligue des champions africaine, dont beaucoup de fois au cours des dernières années, a également remporté 6 fois la Super Coupe d'Afrique. Donc, on ne va pas se le cacher, ce club devait absolument être à la première position. Par ailleurs, ce club a fait de la stabilité, eh bien, sa marque de fabrique, puisqu'ils n'ont connu que 15 présidents en 110 ans. Donc autant vous dire que généralement, lorsque vous êtes élu à ce poste-là, vous y restez à peu près 10 ans. Donc le club est le plus important d'Égypte, un des plus importants d'Afrique, et devenu par conséquent, eh bien, le meilleur club africain de l'histoire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolé si j'ai fait des erreurs, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Mais c'est extrêmement compliqué de se renseigner sur ces clubs, eh bien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas français et que lorsque vous devez accéder à de l'information, eh bien, vous devez le faire dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc là, c'est soit l'arabe, soit l'anglais. Et en anglais, on ne trouve pas forcément toutes les infos qu'on veut. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!